D'abord, au début, elle chantait timidement. Et quand on a vu seulement le bus qui transportait les Black Princesses nous dépasser, et là, vraiment, elles sont devenues timides, toutes froides. Et à l'entrée du stade, les Ghanéennes chantaient. On se croirait que c'était elles congolaises. Et les léopards sont sortis timidement, très calmes. Elles ne parlaient pas. Elles sont entrées comme ça au stade. Moi, je me dis que c'est peut-être ça qui les a contaminées ou qui a entamé leur morale. Bien, il faut noter que les Black Princesses sont habituées avec le mondial. C'est vrai que le Ghana, c'est parmi les grandes nations du football, disons, à travers le continent. Le Ghana qui est en train de rester sur le toit continental, d'abord avec les juniors qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et les mêmes juniors, garçons, ont remporté le mondial. Et dernièrement, le Ghana est allé jusqu'en finale contre l'Égypte, chez les seniors, messieurs. Maintenant, ce sont les juniors, dames, qui sont en train de travailler. Alors, Olga, vous avez le nom de deux dames du Ghana qui ont marqué le but. Effectivement, le dossard numéro 11, celle qui a marqué le premier but, elle s'appelle Datsun Florence. Donc, en la voyant, elle faisait déjà peur, parce qu'elle était géante, donc grande de taille, et puis la corpulence, elle faisait aussi peur. Et le deuxième but a été marqué en deuxième période, c'était par Feza Ibrahim, dossard numéro 7. En image, nous allons revenir sur ce match entre les Léopards juniors dames de la République démocratique du Congo et les Black Princesses du Ghana, un match qui s'est joué le vendredi dernier au stade de Martyrs. Je rappelle le score. 2-0 en faveur des Ghanéennes. Nous allons voir donc le résumé de ce match, l'ambiance qu'il y avait avant le match, le résumé du match, et même les réactions qui ont été glanées par Olga Massangu et Bonheur Mafouana.
La victoire. C'est le souhait. Juliette, et là c'est la 17 congolaise qui joue. Son aileron central contrôle de la numéro 7. Et on s'en va. Attention avec celle-là, je le disais. Avec la numéro 11, Dabson, et ça va marquer peut-être. Et voilà. C'était prévisible. C'était prévisible, je l'ai dit et redit. Que les dangers étaient de ces côtés-là. Et là, tous les atouts, les gabarits, la taille, bon pied, bon œil. Elle vient de montrer qu'elle n'est pas venue, en tout cas, en villégiature à Kinshasa. Elle vient de marquer le tout premier but, c'était à la 15e minute. À la 23e minute, la numéro 11, Dabson, Florence. Mais tout de suite, la grande actualité, c'est autour de Coupes africaines interclubs. Hier, au niveau de la 14e Ligue des Champions, Saint-Éloi Lupopo est allé gagner son match à Dar es Salaam contre Young Africa sur le score de 3-2. Et pour cet après-midi, c'est le Daring Club Motema Pembe qui reçoit les Anges de Fatima, l'équipe de la République centrafricaine.